Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle collection Sephora Collection X Richard. J'ai reçu le PR kit que je vais vous montrer. Je ne l'ai même pas partagé sur Instagram parce que je voulais vraiment le réserver pour cette vidéo. Par contre, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour vous montrer ça. Attendez. En fait, ça s'enlève comme ça et vous allez voir. Attention, je sens que je vais tout faire tomber. Oh ! Ah bah voilà. Que j'avais dit. Bref, normalement c'est très très beau. Au niveau de la collection, on a une palette et deux gloss et vous avez donc sur le PR kit, il y a quatre petits make-up ici qui ont été réalisés par Richard. Ce sont les seuls make-up de sa campagne que je n'ai pas réalisé. Certains d'entre vous savent déjà que j'ai été la maquilleuse pour sa campagne, donc pour la campagne officielle et pour la campagne digitale, dont quelques photos et vidéos sont pas encore sorties à l'heure où je vais poster cette vidéo. Mais sur ceci, c'est Richard qui s'est maquillé lui-même. Au niveau de la collection, on a une palette de 10 fards à paupières dans ces tons-là qui est au prix de 22,90€ si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus les prix exacts en tête. Et on a également deux gloss, donc un rose à très très pâle sans paillettes et un qui est mon préféré, c'est un gloss transparent mais avec plein de paillettes multicolores dedans, un petit peu comme vous savez les paillettes que j'aime trop de chez Anastasia, les Glisten. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dedans, ça reste discret mais en même temps ça ajoute vraiment quelque chose, c'est vraiment mon préféré, il est trop beau. La collection sort demain sur le site sephora.fr à 18h, donc le 9 mars à 18h, et ensuite elle sera disponible le 10 mars en avant-première au Sephora des Champs-Élysées, Opéra et La Défense, et ensuite à partir du 16 mars dans une sélection de magasins Sephora en France. Je lis le petit leaflet qui est ici, c'est pour ça que j'ai galéré à parler. Et pour l'achat d'une palette, 1€ sera reversé à l'association MacGen LGBT+, et je trouve que c'est vraiment trop cool de la part de Richard d'avoir fait ça. Comme je vous disais, j'ai été maquilleuse de sa campagne, donc j'ai eu la primeur de découvrir la collection avant tout le monde, j'étais trop contente. Donc ça c'est la palette que j'ai utilisée pour faire tous les make-up de sa campagne, sauf ceux du PR kit, hein. Comme je vous disais, elle est, comme vous le voyez, bien utilisée, hein. J'ai bien... J'en ai fait pas mal, hein, des looks avec. Et bien sûr, j'ai tout filmé pour vous montrer un petit peu les backstage d'un shooting. Je me disais que ça aurait pu être intéressant, donc on a eu deux dates. On a eu une date au mois d'octobre pour la campagne officielle, que je vais vous montrer de toute façon un peu plus tard. Et on a eu une deuxième date au mois de février, janvier-février, je sais plus, pour faire la campagne digitale. Donc il y a eu vidéo et on a fait quatre looks. Pour la campagne officielle, donc celle qu'on a tournée au mois d'octobre, j'ai été accompagnée de Clotilde, puisqu'il y avait pas mal de monde à maquiller. Je vous ai de toute façon filmé tout ça, comme je vous ai dit, je vous explique comment on s'organise, etc. Je vous montre vraiment tout. Je vais vous laisser avec les vlogs des coulisses de la campagne et on se retrouvera juste après cette session pour faire un maquillage ensemble avec la palette et les gloss, bien évidemment, et je vous donnerai mon avis, etc. Aujourd'hui, on est le vendredi 16 octobre, donc vous faites quand même un bond dans le temps, là. Je suis actuellement en plein la série Halloween, et là, je suis sur le tournage, du coup, de la collection que vous avez découvert. Et donc, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des shootings, comment ça se déroule. Déjà, on m'a contacté pour cette campagne au mois de juillet, et ensuite, on m'a recontacté au mois de septembre. Le shooting aurait dû avoir lieu début octobre, du coup il a été décalé à aujourd'hui. Et il y a 7 personnes à maquiller, donc en fait quand on vous contacte, on m'a contacté que moi pour maquiller. On m'explique voilà, qu'est-ce qu'il compte faire dans la vidéo, puisque c'est vidéo et photo aujourd'hui, combien de personnes à maquiller, etc. Et vous, en fonction, vous faites votre devis et vous demandez une assistante si vous en avez besoin ou pas. Moi, j'ai fait appel à une deuxième maquilleuse, puisque cette personne, je ne peux pas les maquiller en même temps et il faut qu'elle soit toute prête en même temps. Donc c'est à vous de voir si vous avez besoin de quelqu'un en plus ou pas. Il se peut que ce ne soit pas le cas, il se peut qu'il n'y ait que deux maquillages à faire dans la journée sur une seule personne, à ce moment-là, vous pouvez être seule. Et on a également une troisième assistante qui va faire les petites choses, c'est Solène. Je vais vous présenter après les personnes. Donc la deuxième maquilleuse, ce sera Clotilde Sourisseau. Si vous la connaissez pas déjà, je vous recommande vraiment ce qu'elle fait. J'adore son travail, elle a énormément d'expérience. Et notre assistante, ce sera Solène, que vous devez connaître aussi, qui travaille pour Sephora. Là, il est 7h30, je suis arrivée un peu tôt, j'aurais dû arriver à 8h, mais moi je prévois toujours large. Et je vais vous montrer du coup comment je m'organise. Donc moi, mon maquillage, je le mets dans une valise comme ça. J'aime bien les valises de cette marque-là, les valises Libre, parce qu'elles sont assez robustes.
Vous pouvez mettre plein de choses dedans, elles sont souples. Du coup, je trouve ça plus pratique qu'une mallette en dur ou voilà quelque chose de différent. Au niveau de la tenue, normalement, faut porter du noir. Enfin, faut porter du noir. En général, on porte du noir histoire qu'on nous repère assez facilement. Là, vous voyez, je ne suis pas maquillée. C'est la première fois de ma vie que je me rends sur un de mes lieux de travail sans maquillage. Mais là, honnêtement, je me suis couchée à 2h du matin parce que j'avais plein de trucs à finir pour la série Halloween. J'ai énormément de travail en ce moment. Bon, vous, quand vous verrez cette vidéo-là, mon rush sera passé normalement, j'espère. Et ouais, du coup, j'ai préféré prendre une heure pour dormir en plus et être en forme plutôt que de me maquiller. Surtout que là, je vais porter le masque toute la journée. Déjà, ça va être horrible. En plus, déjà, je sens que j'en peux plus. Mais surtout, j'ai pas envie que ma peau, elle macère avec le maquillage. Enfin, je suis dans ma série Halloween, encore une fois, et du coup, ma peau, elle prend cher. Et je me suis dit, je la laisse un peu tranquille. De toute façon, c'est pas moi la star. Pour en revenir à mon matériel, donc je le mets dans cette valise et en général, j'utilise des trousses pour mettre les choses dedans. Là, j'ai pris 4 trousses de pinceaux parce que j'ai pris mes pinceaux à moi. Il y a quand même beaucoup de personnes à maquiller. On est en période de Covid, il faut tout désinfecter. Donc, si j'ai pas le temps de nettoyer mes pinceaux entre deux personnes, au moins je peux en avoir des nouveaux. Mais d'habitude, j'ai vraiment le kit pour les maquillages et mon kit à moi. Là, j'ai vraiment tout pris, mais c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Normalement, je sépare bien les deux. C'est du coup l'endroit où nous allons maquiller. Donc vous voyez, il y a des lumières autour des miroirs qui sont pas encore allumées, mais je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On a un joli plan de travail et surtout on a des super chaises qui se montent, et ça c'est très important pour votre dos. Je suis ravie parce que c'est pas toujours le cas. Au niveau de la tenue, encore une fois, on sait pas ce qu'il y a le plus important, mais j'ai mis un t-shirt en dessous et une veste par dessus parce que je sais que quand je maquille, en général j'ai chaud, et quand je maquille plus j'ai froid, donc du coup je peux l'enlever et la remettre facilement. Aussi, il vous faut des chaussures confortables hein, parce que vous allez rester debout. Je sais que ça a l'air évident ce que je dis, mais je vous explique vraiment de A à Z moi comment je procède. Pour ceux qui sont pas maquilleurs, bon, ça peut peut-être vous intéresser. Avant de m'installer, je vais vous montrer comment je procède pour les looks que je vais valider bien évidemment avec Sephora avant. Moi je travaille sur des feuilles comme ça, donc bon, ça c'est un peu différent. Voilà, ça on a Richard, la scène de la chambre, donc j'ai mis les couleurs de la palette. Ce que je fais pas des face charts super jolies, juste je mets les emplacements des couleurs pour être sûre de ne pas me tromper quand je construis mon maquillage. Et comme tout le monde ne peut pas se projeter là-dessus, je mets toujours des photos d'inspiration pour qu'ils voient un petit peu l'ambiance que je veux donner au maquillage. Et après je fais ça vraiment pour tout. Je mets toujours une photo ici pour les personnes qui maquillent avec moi, qui ne connaissent pas forcément les gens. Ou quand vous avez des mannequins, là en l'occurrence c'est des influenceurs, mais quand vous avez des mannequins, ben, il faut savoir qui portera le maquillage. Donc voilà, je fais ça pour tout le monde. Là en l'occurrence pour les maquillages, je me suis basée vraiment sur chacun doit avoir une forme de maquillage différente. Et chacun pour la scène finale doit avoir une couleur dominante. Donc en l'occurrence là, Aurélia ce sera le jaune, Fabien ce sera plutôt les couleurs neutres, Joanne ce sera le rose, Fatou ce sera le violet, etc. Et j'ai fait ça vraiment pour chaque personne. Ensuite, ça c'est la feuille de route, ça c'est la prod qui vous envoie ça pour que vous sachiez à quelle heure vous devez arriver, à quelle heure les modèles arrivent, à quelle heure le maquillage vous le faites, etc. Puis vous organisez votre journée en fonction avec votre équipe. Aussi très important, je m'amène toujours ma bouteille d'eau. Voilà mon plan de travail. Alors là, j'ai près de moi, puisque je maquille à droite vu que je suis droitière, j'ai mis mon petit matériel. Dans cette trousse, je mets vraiment tout ce dont j'ai besoin, genre une crème, des pinces à épiler, etc. Après, j'ai tous mes pinceaux ici. Bon, mes feuilles là que je vais enlever après, et puis j'ai étalé quelques produits ici, et sauf que les fonds de teint et tout ça je les ai laissés ici avec les anti-cernes et tout. Je voulais les déballer mais en fait ça va être trop chiant. Donc du coup voilà, regardez le plan de travail de Clotilde, elle est beaucoup plus organisée que moi. Je vais vous montrer à quoi ressemble un studio. Donc là ils sont en train de faire le décor, donc il y a une équipe en fait qui est là depuis ce matin, vous voyez, et ils sont en train de confectionner la salle de classe. Vous voyez vraiment, il y a des gens qui font la peinture, enfin il y a vraiment toute une installation. Et là je vous amène dans le coin le plus intéressant quand même, qui est donc le coin Catherine. Et on a aussi le coin où il y a les boissons évidemment. Moi j'ai fini de maquiller pour le premier set, c'est-à-dire des make-up très légers, très naturels, donc je suis en train de nettoyer mes pinceaux et je vous montre un peu comment ça s'organise en fait. Donc là il y a Clotilde qui maquille Auria, au coin il y a Jordi donc, qui fait la coiffure, et tout autour on a tout le stylisme avec la styliste qui est ici, et en fait tout le monde est en train de se préparer. Bon, Clotilde, vous voyez, c'est une vraie maquilleuse, elle a vraiment son set
pour les retouches. Regarde, où as-tu acheté ce kit? Ce en petit ligne, truc. Amazon. Ah bah regardez Amazon. Donc là on fait, ils font un test en fait et regardez la salle de classe elle est ferme. Et vraiment vous avez vu, ils ont mis des vrais bureaux et tout, enfin, c'est vraiment une vraie salle de classe quoi. Il est midi 47, on a pris un peu de retard sur le planning mais bon c'est plus ou moins normal. Et là, maquillage et coiffure, on va manger. Comme ça on fait avant tout le monde. Oh, mon rêve d'avoir tous ces fonds. Regardez, oh, ils sont tous trop beaux. Là c'est notre table et du coup bah, on va choisir notre petit repas. Ça c'est mon plan de travail après la bataille. La bataille c'est le make-up officiel du visuel de la campagne. Je vais vous montrer quand même le résultat parce que... Regardez le superbe travail de Marion. Incroyable. Incroyable, un modèle incroyable non. Et surtout une des palette produits incroyables. Une palette et le gloss transparent. Ah, il est trop beau. Vraiment, regardez. Moi c'est mon préféré. Bah, les deux sont beaux, mais vraiment, si je devais choisir, ce serait celui-là. Ah, on adore. Oh, incroyable. Et c'est assez subtil sur les lèvres. Genre, non, franchement. Ouais, mais avec le flash, franchement, elles sont super belles. Il est super beau. Bravo, Richard. C'est très beau. Alors, je vais vous montrer un peu les make-up. En fait, c'est Clotilde qui l'a maquillée. Montrez-moi votre maquillage, s'il vous plaît. Voilà. Fabien, c'est moi aussi qui l'ai maquillée. Lisa aussi, je vous ai pas dit. Merci beaucoup. J'ai des modèles. Incroyable aujourd'hui. Johan, montrez-moi. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Merci. C'est moi qui l'ai maquillé. Et ça, c'est Clotilde. C'est trop beau. Il est en train de se démaquiller en fait. Ça tâche. Ça tâche le rose en fait, on n'y avait pas pensé, mais oui, le rose ça tâche. Donc là, on va entamer la dernière scène, c'est la scène du tuto dans la chambre. Alors, on a pris quand même un peu de retard. Là, il est 20h12, mais on va y arriver. On est en train de tourner la dernière scène. Il est 23h09, je viens de rentrer, je suis au bout du rouleau, mais c'était une super journée. J'espère que les looks vous ont plu, puisque vous, bah, vous avez vu la vidéo finale, ce qui n'est pas mon cas actuellement à l'heure où je filme cette vidéo. Donc là, je vais aller manger parce qu'à midi, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, il y avait plein de coriandre dans les plats et vous savez que j'aime pas ça, du coup j'ai
rien mangé quasiment. J'ai mangé 2 bouts de salade. On n'a pas mangé ce soir, j'avais pas mangé ce matin parce que j'avais pas eu le temps. On est le 16 octobre et je sais pas si vous vous rappelez ce lointain moment où on devait être confiné à partir de 21h le soir. Et aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est jusqu'à minuit, donc j'ai à peu près 3 quarts d'heure pour aller me chercher à manger. J'ai essayé d'aller au McDo. Voilà, bref, allez, merci beaucoup et salut. On est le 22 janvier, il est 8h40 et je suis la première arrivée sur les lieux. Donc je vais vous faire un petit tour du studio tant qu'il n'y a personne. C'est pas les mêmes studios que la dernière fois, là on va tourner 4 looks. Enfin je vais faire 4 looks, donc je suis toute seule pour maquiller, il n'y a que Richard à maquiller. On en a jusqu'à ce soir. Et c'est pas donc au même studio que la dernière fois pour la vidéo. Et c'est pas la même équipe non plus, si je dis pas de bêtises. Là c'est vraiment l'équipe avec laquelle on a l'habitude de travailler pour la chaîne de Sephora. Vous savez, je suis dans le beauty crew de Sephora avec Richard, Léna et Johan. Et en fait, on tourne tout le temps ici. Donc ça, c'est la partie make-up, bien sûr. Là, il y a un bac pour le coiffeur. Là, c'est la petite salle de repos. Et c'est ici qu'on tourne. Donc voilà, c'est deux grands studios comme ça. Et puis, ben, ils mettent ce qu'ils veulent. Voilà, je sais pas s'ils ont déjà commencé ou pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Il y a des ordinateurs, etc. Là il y a les boissons, je vous montre la feuille de route, donc voilà ça c'est la feuille de route, on a l'heure d'arrivée, l'heure de prêt à tourner, donc on arrive à 9h, on tourne à 10h30 et on finit normalement à 19h, bon en général ça bouge toujours un petit peu et là en fait normalement bah, il y a tous les contacts de toutes les personnes ici qui travaillent. Au cas où on a besoin de les appeler avec le plan du studio, l'adresse du studio, etc. J'enlève le masque du coup comme je suis toute seule, j'en profite parce que je vais garder toute la journée. Donc là j'en profitais pour m'installer. Alors la feuille de route c'est valable pour tous les shootings. Hein. Normalement sur chaque shooting vous avez une feuille de route. Et là je vais commencer à m'installer comme ça c'est fait. J'ai un petit problème de crème pour les yeux. En fait c'est la Oula Henriksen, vous savez la orange là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est brightening, un truc comme ça. Mais alors elle déphase de ouf et du coup ça fait vraiment très huileux sur les yeux. Bref. Voilà comment je m'organise. Donc en gros voilà j'ai pas pris beaucoup de choses parce que j'ai pas besoin de grand chose. Là j'ai acheté ça sur Monochrome. C'est trop bien pour mettre les pinceaux. Franchement j'en ai pris beaucoup. Hein. Franchement je n'ai pas regardé ce que j'ai pris. Et ça c'est un peu pareil. C'est pas la même marque. C'est cette marque là et c'est dispo sur Maki Beauty. Et avec donc mon code Marion vous avez moins 10%. Et franchement c'est absolument la même chose. C'est parfait. Là c'est mon petit matériel. Là j'ai pris mes bases P. Louise, des crayons pour les lèvres. Là c'est d'autres produits. Et là c'est un peu de teint parce que Richard va se faire son teint donc du coup j'ai pris quand même un peu de produit au cas où il n'en ait pas, là pareil des fards en plus et là je mets en général tous les looks que je vais réaliser ici comme ça je les ai d'un coup d'œil, j'ai pas à les chercher pendant 3 heures. Ça c'est le premier look, c'est le look nude et là Richard va s'appliquer la touche finale peut-être le gloss. Pas le pailleté peut-être non. Ah bah comme tu veux. C'est beau. On commence par la photo, bon c'est pas Richard qui se prend en photo, hein. Il y a un photographe juste là. Donc vous voyez, quand on prend les photos, il y a un écran qui était juste derrière lui. Voilà, il y a un écran ici où sont retranscrites les photos. Et ensuite, elles sont également retranscrites ici, sur l'ordinateur. On va passer à la vidéo, regardez. Richard fait ses tests. Je sais pas si vous voyez, mais le fond, il est pailleté, c'est trop beau. En fait, vous voyez, il est sur un plateau tournant. Et la caméra, regardez, elle est super loin. C'est le deuxième look, donc le look jaune. Ah. Mais regardez, l'objectif de la caméra, il est énorme par rapport à ma main. Regardez, je m'approche pas trop parce que j'ai peur de casser. Troisième look. Funaise, la fatigue est commencée à faire un moment. Regarde le troisième maquillage. Ah oui, il en reste un. Ouais. Dernier look. Voilà. Bon, là on est le lendemain parce que je vais pas finir de vous parler hier. J'étais beaucoup trop fatiguée. Aïe! J'en ai marre de ce chien. Je voulais juste rajouter quelque chose au niveau de la création des looks, je sais plus si je vous en ai parlé. En fait comment ça se passe c'est que bah, l'équipe vous contacte, enfin moi en l'occurrence c'est Richard qui m'a contacté. Tu m'as fait mal. Mais c'est pas forcément
l'artiste qui vous contacte à chaque fois. Et en fait, on m'a dit, Richard m'a dit, on va faire 4 looks et je veux un look nude, un look jaune, un look rose et un look coloré. Et moi, j'ai fait des propositions et en fait, j'ai fait une proposition de chaque et il a accepté les 4 propositions. Mais il se peut que vous ayez à en refaire d'autres si jamais ça convient pas, c'est possible. Après, moi, je suis assez flexible, c'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, si le jour du shooting, tu changes d'avis, que le look rose finalement, on fait un look bleu, enfin, j'en sais rien. Mais sachant que bon, il peut pas non plus changer trop d'avis parce que les looks, ils sont soumis au directeur artistique du shooting et les fonds, ils sont choisis en fonction et voilà, tout le monde, enfin, le stylisme aussi. Donc voilà, on peut pas non plus trop changer, mais bon, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Là du coup je vais ranger ma valise. Je vais enlever tout, je vais laver tous les pinceaux et tout et tout. Et elle me saoule, elle m'attaque depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Elle est insupportable. C'est vraiment un sale gosse ce chien. On peut passer maintenant au maquillage. Donc comme vous avez vu, j'en ai déjà fait pas mal. On peut vraiment faire plein de choses avec cette palette. On peut faire, comme vous avez vu, autant des maquillages un petit peu plus sobres, des maquillages plus colorés. Elle est vraiment versatile. Et j'ai beaucoup aimé travailler les fards, on a utilisé vraiment que ça, on n'a pas triché pour le coup pendant la campagne, tout est fait entièrement avec la palette. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, je vous ai remontré encore une fois en reel sur Instagram comment faire ce teint avec les taches de rousseur. Je pense que quand cette vidéo sortira, ce sera pas encore en ligne, mais n'hésitez pas à m'ajouter pour pouvoir le voir quand il sortira. Je vais utiliser ma palette toute crado que j'ai utilisée pendant les shootings, comme ça je garde la neuve pour offrir à quelqu'un à qui je sais que ça fera plaisir. Et là donc j'ai déjà mis ma base Pelouise, donc là, le temps que je discute, que je fasse l'intro, ça a un petit peu crisé, mais c'est normal, il faut juste veiller à enlever les petits plis avant de commencer le make-up. Je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. J'ai tellement créé de looks avec cette palette que j'ai pas envie de faire quelque chose que vous avez déjà vu dans les vlogs que je vous ai montré juste avant. J'ai envie de faire un truc qui change au niveau de la forme, et bon, des couleurs, ce sera forcément les couleurs de la palette, hein. Il y a Pénélope qui s'excite sur des cartons, voilà. Je vous le dis à chaque fois, mais on sait jamais si vous êtes nouveau ou vous êtes un peu surpris par le bruit de fond. C'est Pénélope. Je vais prendre pour commencer la teinte 23-3, qui est la teinte 23 mars, qui marque le début de Richard, enfin la première vidéo de Richard sur YouTube. Je vous ai mis dans la barre d'infos la vidéo de Richard explicative sur sa collection, parce que forcément il en parlera mieux que moi. Mais si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir, hein, je vous l'ai mise en barre d'infos. Donc j'ai commencé avec mon beige, et ensuite je vais passer à la teinte Daddy, qui est ici. Je prends un pinceau assez large et surtout souple, là c'est de chez Nabla, le N305, et je vais l'appliquer pour ombrer ma paupière, enfin mon pli paupière. C'est une très bonne teinte de transition d'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisée celle-ci. Et je vais reporter ensuite cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Bon alors idéalement, prenez un pinceau adapté à cette zone, mais alors vous me connaissez, j'aime vraiment pas laver mes pinceaux, du coup j'essaye d'en utiliser le moins possible. Je me rends compte que c'est la première fois que je vais utiliser en fait cette palette sur moi, puisque j'ai fait plein de looks avec, mais sur les autres. Je vais reprendre ma base Pelouise avec mon pinceau Cut Crease, et je vais préciser la forme ici au niveau du pli paupière, puisque je vais appliquer des couleurs différentes au niveau de ma paupière mobile, mais je veux que ce soit net. Donc du coup je commence à créer la forme que je veux, c'est-à-dire une forme étirée. Je vais faire comme une sorte de gros liner qui prend toute la paupière. Donc vous voyez, ça donne à peu près ça au niveau de la forme avec la base. Et maintenant je vais passer à la teinte jaune ici qui s'appelle Pride. C'est un jaune assez particulier, c'est un jaune orangé qui est vraiment très joli. Alors attendez, j'ai des petites stries, ça c'est impératif, hein. Faut vraiment enlever avant d'appliquer vos fards. Parce que ça va pas disparaître par magie malheureusement. Et je vais commencer du coup par la partie interne. Donc je vais appliquer trois couleurs. Les trois couleurs les plus intenses, c'est-à-dire le jaune, le orange et le rose, dans cet ordre-là d'ailleurs. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un fond de la couleur de ce jaune. C'est vraiment mon... J'adore quand il y a du jaune dans les palettes. Je trouve que ça rehausse toujours, ça fait une teinte de transition. Enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis un jaune. Et sachez que Richard et Sephora ont galéré pour avoir ce jaune. C'est une des couleurs les plus difficiles à faire pour l'avoir vraiment intense, pigmenté, qui se travaille bien, etc. Et je trouve qu'ils ont bien travaillé, c'est une jolie couleur. Ensuite, je passe à la teinte orange qui s'appelle Equality et je vais poursuivre mon dégradé avec. Et je vais poursuivre avec la teinte Gaga qui est donc la teinte rose fuchsia. C'est un rose vraiment très très joli, très intense et très flash. Mais moi vraiment, j'aime trop, j'adore cette couleur. Elle travaille super bien en plus.
Et j'ai pris un pinceau un peu plus précis parce que je veux faire une sorte de ligne, mais alors c'était pas assez précis finalement, il faut que je prenne un pinceau un peu plus petit. Je pense que ça c'est mieux pour faire la pointe parce que je veux vraiment, comme je vous ai dit, faire une sorte de gros liner. Donc je veux vraiment que ce soit assez net ici. Moi je peux venir reprendre la fin avec la base Pélouise, mais je veux vraiment pas trop déborder quoi, parce que le rose ça c'est quand même pigmenté, hein, ça tâche. Pour préciser du coup la zone là en dessous, je reprends mon pinceau qui m'a servi à faire la forme là avec la base Pélouise. J'ai pas rajouté de matière dessus parce que j'en veux pas beaucoup, c'est juste vraiment pour préciser parce que j'étais déjà assez précise avec mon pinceau et le rose, mais je veux quand même que ce soit beaucoup plus net. Je veux pas rajouter de la matière quoi. J'ai appliqué maintenant la teinte Coming Out qui est la teinte dorée dans mon coin interne avec un petit embout. C'est une teinte qui est hyper intense, vous allez voir, très métallisée. Elle est vraiment super jolie et ça va bien se fondre avec le jaune. Et pour donner encore un peu plus de dimension, je vais ajouter la teinte Libra qui est un doré très clair, on va dire, qui va venir éclaircir cette zone-là. Juste, voilà, le bout. Comme ça, ça apporte plus de lumière et de dimension. J'ai mis la teinte Coming Out ici que j'ai grattée pour que ça fasse de la poudre. Je peux pas vraiment vous montrer parce qu'à côté, j'ai mis une goutte de Duraline de Shinglot pour justement pouvoir mélanger les deux et obtenir une texture liquide que je vais pouvoir utiliser en liner. Et ensuite, je vais m'en servir pour faire une ligne entre la teinte de transition et les couleurs. Comme ça, ce sera exactement de la même couleur que le doré que j'ai mis. Et vous voyez, en liner, il est super beau. Il est hyper métallisé. Il se mélange super bien avec le Duraline. Pas de grumeaux, rien du tout. Vous voyez, c'est hyper lumineux. Voilà, j'ai rajouté un petit trait liner au ras des cils. J'ai mis des faux cils et j'ai rajouté une petite ligne de strass ici. J'ai pas filmé parce que c'est assez simple de poser des strass. C'est chiant, mais c'est simple. Il vous faut impérativement ce petit outil que vous pourrez trouver dans mon shop Amazon. Vous avez le lien en barre d'infos. Et ensuite, il vous suffit d'avoir une colle transparente, pas une colle noire. Moi, j'utilise celle de chez House of Lashes parce qu'elle a un petit embout comme un eyeliner. Donc, c'est facile de faire les points de colle. Je fais mes points de colle où je veux mettre mes strass. Et ensuite, je les prélève avec ce petit outil et je les pose directement. C'est hyper simple. J'ai pris des strass pour les ongles. Pareil, vous les avez dans mon shop Amazon. Pour le coup dans la rubrique ongles, ça c'est dans la rubrique make-up. On va passer aux lèvres et comme je vous disais, on a deux gloss dans la collection. Donc soit celui-ci qui est rosé sans paillettes, qui s'appelle latex, puisque ça fait vraiment les lèvres vinyle latex. Et celui-ci qui s'appelle Fairy Dust, qui perso est mon préféré, puisqu'il a des petites paillettes à l'intérieur, donc je pense que je vais mettre celui-ci. Je vais d'abord faire un trait de crayon avec la teinte Cake de chez Lime Crime. Je vais crayonner mes lèvres juste voilà pour les redessiner un petit peu avant d'appliquer le gloss. Je crayonne vite fait un petit peu sur l'ensemble pour enlever l'effet trait de crayon. Et ensuite par-dessus, je vais appliquer le gloss Fairy Dust. Et voilà pour le make-up. Voilà pour cette vidéo sur la collection de Richard et Sephora Collection. J'espère que ça vous a plu. Je ne peux que vous la recommander. J'aime vraiment beaucoup la palette. Il y a un miroir dedans, hein. Je vous l'avais pas dit, mais je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous. Avec l'harmonie, comme je vous ai dit, vous pouvez faire soit des choses très sobres, très nude, soit des choses très colorées comme je l'ai fait, ou alors des choses un petit peu avec une touche de couleur. Si ça vous effraie un petit peu de mettre trop de couleurs, vous pouvez très bien faire juste un coin interne un petit peu plus coloré, ou juste le ras de cils pour apporter un petit peu de vie au maquillage. Non pas que les maquillages sobres soient sans vie, mais voilà, moi j'aime la couleur donc... Mais c'est totalement possible de faire quelque chose de très basique avec, puisqu'il y a tous les fards qu'il faut. Celui-ci, la teinte Monster, je l'ai beaucoup utilisé en intensité, même s'il a un fini un peu irisé, métallisé, il marche très très bien en intensité, pas de soucis. Enfin, je pense que vous l'avez vu dans la partie vlog. Je l'ai utilisé pas mal de fois pour intensifier les maquillages un petit peu plus nude et ça marchait très bien. Donc voilà, très contente que la palette soit sortie. J'avais vraiment hâte parce que la date a été repoussée plusieurs fois. Du coup, je suis très contente que ça sorte maintenant. J'espère que le format de cette vidéo vous a plu, avec un petit peu plus les coulisses d'un shooting. Pour ceux qui connaissent pas trop cet univers, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mon compte Instagram et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you
not different.